a fait elle sur son affaire de concert le 31 mars là. Eh, Debono lui a fait quoi, mais? Il a vendu son âme au diable. C'est un fils de démon. Aïe, comment ça? Le feu. Le feu symbolise quoi? Allez voir tout ça. Allez vous documenter sur la franc-maçonnerie, sur les Illuminati. Vous verrez que ce gars-là s'est illuminé. J'ai dit, oh, tu es venu nous dire qu'il est Illuminati, non? Donc, faut nous expliquer en même temps quand on fait recherche par rapport à quoi? Vous le voyez là à l'intérieur. Pourquoi tes affiches là, c'est dans le feu? C'est toujours dans le feu. Tu es vrai démon. Et que toi, particulièrement, tu sais que toi-même là, hein, tu es un bassalo. Vous qui répétez ces expressions à la con là, mais vous appelez sans le savoir, inconsciemment, le démon dans votre vie. C'est une affaire comme ça. Je ne vais pas aller en enfer. Oh. Même si ton âme est perdue, tu peux te rattraper. Voilà la réalité. Amen. Mais j'ai dit, oh, tu as fini de régler ton problème, ta femme là. C'est des gens qui vont venir parler. Demain matin que tu te réveilles, ta mère quoi. Et chaque jour à 5h du matin, ta mère quoi te met dessus. Bon, d'accord, j'ai dit, tu fais plus politique aussi. Les Ivoiriens, oh, mais que vous êtes bonnés. Tu as fini, je vais continuer mes affaires. J'ai dit encore, c'est pas fini. Lui là, c'est ton ami, non? Lui là. Nadjim, c'est son ami. Arafat va venir répondre. Oui. Bon, c'est qui l'a fait là, c'est quoi? Tu penses que c'est le fruit d'un hasard? Bon, si c'est pas hasard, faut nous expliquer c'est quoi alors. Ça là, c'est quoi? 666, le signe de la bête. Non. Il est en train de venir, ça c'est qui? C'est moi qui ai fait afficher ça, moi je demande. Je sais pas. Qui vient vous expliquer ça? C'est vrai, hein? Ah, il faut venir expliquer. C'est qui ça là? C'est ton grand-père. C'est tes aïeux. Aïe. C'est ta tante. C'était. Oh là là. Là, du là. Alors, tu sens quoi? Tu sens quoi? Puis tu as tout ça là. Personnellement, moi, je te laisse à Dieu. Et puis, regarde. Tu caricatures ton camarade de Bordeaux. Tu le mets comme un chien. Mais le chien là, c'est toi-même. C'est pas des bateaux. Ah, parce que tu vas loin d'elle. Moi, mes fans qui m'aiment là, en tout cas, si vous restez sur la page de ce sorcier là, c'est que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Loin de moi, je t'insultais. Mais... Donc, quand tu dis que l'homme ressemble à un chien là, ça, c'est pas un juge. Quand tu as osé insulter ma maman, faut lui demander ce qui lui est arrivé. Le jour qu'il branche encore moi mon nom, je le fous à la maca. Ici, le chien, c'est toi, c'est pas lui. S'il vous plaît, allons doucement, doucement, doucement. C'est pas grave, moi je suis bon. Ça me met égal. Je te plante maintenant que tu es un démon. Pour que les Ivoiriens sachent qui tu es. Je ne suis pas un sorcier. Non, Arafat, il n'a pas dit que tu es sorcier. Il dit que tu es Illuminati. Il avait dit que tu es le opa des sorciers. Vous êtes tous des francs-maçons. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. En tout cas, tu n'as pas de preuve. Tu accuses le pauvre. Regardez. Ça, c'est l'homme, ça là. Bon, bref. En gros, moi, Arafat, je suis un bon ou un jidi. Tu parles encore de moi. 3 points de suspension. Toi, Pacheco, Arafat est Illuminati. D'accord. Toi-même, Pacheco, tu as tes problèmes, tu n'arrêtes pas. Hein? C'est sûr, l'enfant, là, tu vas venir te muscler. De Bordeaux dit n'a pas de problème. Donc, mon frère, faut te mêler de ce qui te regarde. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Arafat, donne ton âme à Dieu.